Bon, nouveau vlog. On est le samedi 12 février. J'espère ne pas vous poster cette vidéo dans un mois comme le dernier vlog. On croise les doigts. En fait, je me suis levée super tôt, genre à 6h15. J'étais déjà réveillée. Je me suis dit, Emma, reste pas plus longtemps dans ton lit, ça sert à rien. Donc fais des trucs. Tu t'es levée tôt, donc profite-en. Donc là, du coup, objectif, faire tes crêpes. J'ai trop hâte. J'ai eu ça à Noël. C'est vraiment une révolution. Ça ressemble un peu à un shaker. Et en fait, vous avez des graduations. Donc là, c'est pour les pancakes, là, pour les gaufres. Et là, c'est pour les crêpes. Vous avez deux niveaux de quantité de crêpes. Vous avez pour faire 6 crêpes et 10 crêpes. Avec la préparation que je vous ai montré, j'en ai fait 5. Et du coup, on est sur une team où je ne roule pas mes crêpes, je les plie. Voilà. Bon, il est 11h, il est temps de me préparer. Là je vais partir du coup, je me suis habillée, préparée vite fait. J'ai fait ce que j'avais à faire cet après-midi. Du coup là je mettais des trucs sur Vinted parce que je vous avouerai qu'en ce moment il y a beaucoup de choses que je mets plus. Et du coup ouais, régulièrement des fois ça me prend, je trie tout mon dressing et je vends plein de choses que je mets plus et que je gardais depuis des mois voire un an et que je disais au cas où. Donc là par exemple nous avons fait la promotion de Vinted, cette jolie chemise à motif serpent un peu, j'étais grave dans ce délire là avant mais je la mets plus. Bonne chose de fait, j'ai fini de dérusher ma vidéo, il est 18h15, ça fait un petit moment. Normalement elle est en ligne demain. Du coup là ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de passer une petite commande sur Gorillaz encore une fois. J'ai reçu mes petites courses. N'hésitez pas, vous avez un code de parrainage. Alors je suis absolument pas en partenariat avec eux, pourtant je sais qu'il existe des partenariats avec cette marque là. Du coup je me suis préparée et je vais aller au sport. Bref, j'ai pris rendez-vous au Apple Store pour aller faire changer ma batterie de téléphone parce que c'est plus possible, enfin il tient plus la journée, même en wifi il tient plus la journée. Enfin j'ai vu que c'était 75€ estimé, je me dis toujours moins cher que de racheter un téléphone, donc je verrai. Donc aujourd'hui on est dimanche, à part aller au sport ce matin, j'ai pas fait grand chose du tout. Donc qui dit dimanche, qui dit douche et prendre soin de soi, c'est vraiment la journée idéale pour ça, on va pas se le cacher. Du coup je vais en profiter pour tester les produits Pomelo. Donc du coup j'ai reçu ces trois produits là, c'est vrai que sur leur site c'est très pratique puisque bah, vous avez soit les produits individuellement, soit des sets sont déjà réalisés en fonction de vos cheveux et des besoins que vous avez. Ou alors vous pouvez réaliser vous-même les sets. Donc moi le besoin qui était relevé pour mes cheveux, c'est que j'ai les cheveux assez secs. Tous les liens des produits seront en barre d'infos si vous voulez les retrouver de toute façon. Donc j'ai reçu ce soin là qui est à mettre 10 minutes au réfrigérateur avant. Aujourd'hui j'ai testé ces deux produits là. Donc en fait c'est un shampoing gommant qui exfolie les cellules mortes et favorise l'équilibre et la santé du cuir chevelu. Et ensuite je vais enchaîner avec l'après shampoing nourrissant. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans les produits, c'est pour ça que je les ai reçus et que je voulais impérativement les tester, c'est qu'ils prônent vraiment d'utiliser des ingrédients sains et respectueux du cuir chevelu. Moi c'est vrai que je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux et c'est vrai que les produits pour les cheveux on fait rarement attention, mais c'est vrai que ça peut facilement te détruire le cuir chevelu. Moi les cheveux c'est vraiment très important pour moi, j'y fais très attention, c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas de couleur, je fais pas de mèche, je fais pas de tie and dye, enfin je fais rien de tout ça parce que je sais que ça abîme beaucoup le cuir chevelu. Donc c'était pour moi essentiel de recevoir des produits avec des ingrédients respectueux et sains. Et d'ailleurs si vous voulez en profiter, si vous êtes déjà utilisatrice de ces produits là ou que vous avez envie de tester pour la première fois et que vous voulez tenter, je vous mettrai un code promo qui s'affichera ici ou alors en barre d'infos. C'est un code promo surprise. Bon, on se retrouve, on est dans ma salle de bain.
sur la première impression, c'est plutôt pas mal. Donc le shampoing, très surprenant. Enfin, j'avais jamais essayé un shampoing gommant. Et je pense que moi, ça peut bien m'aller au niveau de mes cheveux. Voilà, et il mousse aussi pas mal. Donc ça, moi, j'aime beaucoup quand ça mousse. Et ensuite, du coup, l'après-shampoing également. Donc tu mets au niveau de tes longueurs et après sur tes points, tu laisses poser. Mais comme je vous ai dit déjà quand j'ai rincé, mes cheveux étaient très légers, très souples, très doux. Et là, du coup, quand je les brosse, enfin vraiment... très agréable quoi. Donc écoutez, à voir après quand ça va sécher et demain quand je vais les coiffer, parce que là je vais les laisser sécher naturellement. Donc voilà pour mon crash test des shampoings Pomelo. Du coup ce matin quand je me suis levée pour les lisser, pour les coiffer, au moment que mes cheveux étaient tout lissés et que je les ai brossés, ils étaient vraiment plus doux que d'habitude, je vais pas vous le cacher, très doux. Donc pour une première utilisation, je suis plutôt contente du soin, mais c'était vraiment pour vous faire un retour à chaud, donc après à voir sur le long terme. Mais... je vous explique, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Bref, j'ai pas de copain, donc c'est pas ma fête. Mais c'est pas grave, je me suis dit, chacun va avoir son plaisir aujourd'hui. Du coup, bah moi j'ai été faire mon plaisir aussi, donc en rentrant du boulot. Ensuite. Aujourd'hui on est vendredi, donc déjà c'est le week-end. Mais franchement aujourd'hui c'était une bonne journée, déjà il a fait beau, il a fait bon. Et en plus j'avais un colis à récupérer. Du coup je collabore avec Kiki Kits. Donc c'est un site qui revend tout type de sneakers. Et vous avez un large choix de sneakers qui sont absolument magnifiques. Déjà j'ai une petite casquette. Du coup c'est cool parce que vous avez un certificat d'authenticité des produits. Oh là là, en plus elle est assez violée avec. Je vous mettrai le lien des sneakers dans la barre d'infos, mais il y a un large choix. Enfin moi c'était très compliqué de choisir. Et merci à eux parce que 3 paires c'est franchement énorme. Donc c'est vrai que de recevoir ces paires là je suis quand même ultra reconnaissante. Du coup là nous avons les Air Jordan 1 en rose, elles sont quand même super jolies. Bon par contre elles sont métalliques, donc je les croyais pas métalliques comme ça, genre scintillant. Donc écoutez voilà, je les ai pris en 38,5. J'ai pris un classique, là c'est les Nike Dunk Retro. Moi j'adore ce modèle là, je les trouve trop jolis franchement. En vrai je suis fan, je suis une grande fanate des baskets hautes. Mais franchement les baskets basses comme ça, ça va avec tout, donc indispensable. Et ensuite pour finir, alors ça c'est vraiment pas un modèle que j'aurais pris de moi-même. C'est les Jordan 4 Retro. Donc pareil, elles sont roses, un peu pêche, mais je sais pas, j'aimais bien, alors c'est vraiment pas le style de chaussures que j'aurais acheté, mais je sais pas, là, elles me tentaient bien, donc à voir. Donc merci beaucoup les gars quand même pour votre fidélité. Faut savoir que j'avais rendez-vous à 10h30 à l'Apple Store pour faire changer la batterie de mon téléphone, je vous en ai parlé. Et ben franchement je suis plutôt contente, ça m'étonne pas trop d'Apple, ça s'est très très bien passé. Enfin voilà, on t'explique, et ça a duré une heure les gars, je suis arrivée à 10h30, il m'a dit ton téléphone sera prêt à 11h30. Donc j'ai hâte de voir dans les prochains jours si ça s'améliore, j'espère, parce que sinon je comprends pas trop. Et puis après j'ai été faire des courses. Ça, alors ça j'ai voulu tester parce qu'apparemment c'est super bon, et j'ai une collègue au boulot qui en a mangé l'autre jour et elle m'a fait goûter, c'est trop bon. Donc c'est des danettes, donc voilà, apparemment c'est du lait de soja à la place, etc. Et du coup là j'ai pris noisette parce que c'est ce qu'elle avait. Si j'ai pris du gel coiffant, parce que en fait quand je me fais des queues de cheval, etc., j'ai tout le temps des épis. Genre par exemple hier j'ai fait une queue de cheval, j'avais des épis, mais genre tu peux rien faire, tu peux pas les dompter, et vu que c'est des petits cheveux de bébé tu peux rien faire. Donc du coup j'ai voulu acheter du gel parce que bah je vois beaucoup de nanas utiliser du gel pour plaquer leurs petits baby hair. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, on a le couteau, donc on va ouvrir. Pour ces deux produits, d'y mettre là-dedans. Bon, je vais quand même le réutiliser, c'est pas très grave. Du coup, j'ai eu le The Pore Professional de Benefit, donc pour
flouter un peu les pores et te rendre la peau un peu lisse. Et après j'ai eu le spray fixateur maquillage longue tenue de Benefit aussi. Alors ça c'était pas prévu genre ça, mais bon, je suis contente. On va voir ce que ça va donner. Je suis trop contente, j'en ai pas. Si vous voulez que je vous fasse un retour. C'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et de l'avoir regardé. Comme d'habitude, j'oublie de faire les fins de vlog, mais c'est pas grave, on s'habitue. Petite parenthèse, j'ai cassé ma carte SD. Donc j'espère en racheter une au plus vite et pouvoir continuer à vous faire des vlogs. En tout cas, merci beaucoup pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.